La communauté Guin est en effervescence. Nous sommes ici à Agbedranfo au Togo le mardi 15 août 2023. La 360e édition de la prise de la pièce sacrée s'approche et la cérémonie rituelle dite Sintuntun Togbelapa est très importante. En effet, Sa Majesté Togbeyedi, président communal CNCVB Racine d'Atiema et président des 6 présidents communaux du Mono, a marqué de sa présence avec une forte délégation à la cérémonie. Plusieurs hauts dignitaires et prêtresses de la divinité Mamidan venue du Bénin, du Togo et d'autres pays d'Afrique ont également effectué le déplacement. Il y a eu un moment de temps pour moi. Il y a eu un moment de temps pour moi. Il y a eu un moment de temps pour moi. Il y a eu un moment de temps pour moi. Il y a eu un moment de temps pour moi. Il y a eu un moment de temps pour moi. Il y a eu un moment de temps pour moi. Il y a eu un moment de temps pour moi. Il y a eu un moment de temps pour moi. Il y a eu un moment de temps pour moi. Il y a eu un moment de temps pour moi. Il y a eu un moment de temps pour moi. Il y a eu un moment de temps pour moi. Il y a eu un moment de temps pour moi. Il y a eu un moment de temps pour moi. Il y a eu un moment de temps pour moi. Il y a eu un moment de temps pour moi. Il y a eu un moment de temps pour moi. Il y a eu un moment de temps pour moi. Il y a eu un moment de temps pour moi. Il y a eu un moment de temps pour moi. Il y a eu un moment de temps pour moi. Il y a
Épée-Écoué est un rituel indispensable, vieux de plusieurs siècles. Il consiste à invoquer les ancêtres pour la paix et le bonheur sur les fidèles, ceci à travers l'aspersion de la potion mystique obtenue à l'issue de ce rituel. Saint-Tonton est un moment de retrouvailles, de convivialité et de réconciliation. Cette grande cérémonie est marquée par des prières, libations, des chants et danses. Les différents rituels exécutés témoignent de la sacralité de Saint-Tonton. Dans quelques jours, les adeptes de Maman Colère vont à leur tour sacrifier à la tradition. Ce sera au cours de la cérémonie dite Kwemama à Degbenou et Gledikpoji.